dans mon atelier. Moi, j'aime bien sortir l'image sur laquelle je suis en train de travailler. En fait, je fume une cigarette, ce qui n'est pas bien. Mais en même temps, ça me permet de réfléchir et de repartir après avec un œil un peu, prendre un peu de distance et de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qu'il faut que je fasse. Et à un moment, il faut que je décide de, bon, je vais attaquer le ciel, les nuages. Je m'appelle François Roca, je suis illustrateur de livres jeunesse. Quand je fais des illustrations, le processus est assez long. Je peux passer quasiment presque une journée juste sur un visage et le lendemain me rendre compte qu'en fait c'est pas bien et recommencer. Et puis comme je suis réaliste, moi ce qui m'intéresse c'est le réalisme, pas l'hyper-réalisme mais le réalisme. Et il faut que le personnage soit incarné, qu'ils aient vraiment, qu'on sente à travers le regard ou les attitudes que ce soit vraiment vivant en fait. En fait je cherche du vivant. Des fois, tu changes juste très peu de choses et en fait, ça change. Ça, tu peux perdre un instant de vérité, enfin, quelque chose enfin, qui me paraît juste. Voilà, quelque chose de juste. Et ce que je fais beaucoup, c'est dans les portraits. Enfin, dès que j'ai un portrait à faire de peinture, où il se passe pas grand-chose, mais c'est des portraits de femmes généralement. Dans l'image, des fois, il se passe rien. Et puis, d'un coup, il se passe quelque chose et c'est pas forcément parce qu'il y a une grosse action ou qu'il y a quelque chose de spectaculaire. C'est juste, ça peut être un rayon de lumière sur le nez qui se découpe une ombre et qui est assez étonnante ou qui est belle et il se passe quelque chose, quoi. Enfin, à mon sens, quoi. Dans le processus, c'est très important, c'est quand je vais chez mon éditeur, comme je travaille encore à l'ancienne sur des papiers, donc je leur ramène les images, et donc là, ils sont autour de la table, donc je leur présente une image, et là, je vois tout de suite à leur réaction si ça marche ou pas. Cette année, j'ai fait un album avec Fred Bernard, King Kong. Alors à la base, c'était une idée de Fred, qui voulait s'emparer de ce sujet. Et moi, au début, j'étais pas très chaud, je me disais, King Kong, les films, c'est très connu, très visuellement connu aussi, très fort, et c'est mythique. Et puis donc Fred a écrit le texte en restant vraiment sur l'histoire. On n'a pas changé, mais en amenant beaucoup de psychologie pour le. On est vraiment à la place du King, du Kong. Et je me suis quand même pas mal identifié. Enfin, j'ai vraiment aimé ce personnage. Alors même si c'est très loin de moi, mais ce côté vieillissant, seul sur son île déserte, un coup débarque les humains. En fait, il y a toujours énormément de références au cinéma dans tous mes albums, de plus en plus. Enfin, pas tous, il y a certains qui sont moins cinématographiques, mais là, ces derniers temps, c'est que ça, quoi. Que ce soit King Kong ou même après Calamity Jane. Parce que Calamity Jane aussi, c'est un autre livre que là, j'ai fait... j'avais envie de faire vraiment un western avec que des cow-boys. Parce que quand même, c'était toute ma jeunesse. Et donc, je ne savais pas par quel biais l'aborder. Et en fait, je suis tombé sur les lettres de Calamity Jane. Et là, je me suis dit, c'est parfait, quoi. Il y a toute la mythologie. Et puis, sa vie est incroyable. J'ai vraiment pris du plaisir. Ça m'a pris beaucoup de temps. C'est un des albums où j'ai passé le plus de temps. Pour être vraiment au plus juste, justement, dans ce que je disais sur l'attitude, le personnage, et puis ce qu'elle ressent. Donc, alors, est-ce que les lettres sont vraies, sont justes, ou est-ce que c'est un faux? On ne sait pas. Mais en tout cas, tout ce qu'elle raconte, c'est magnifique. Octobre 1890. Les années passent vite. Que de choses depuis que j'ai écrit pour la dernière fois dans ce carnet. Plus que toute autre chose, je chéris l'idée de ma visite quand je suis allée vous voir, toi et ton papa Jim. Je conduis une diligence ces temps-ci. Le révérend Sipes et Teddy Blue Abbott m'ont trouvé ce boulot. Ils semblaient penser que ça valait mieux qu'être hôtesse dans un saloon. Tu vois que ta mère travaille pour gagner sa vie. Un jour, j'ai du poulet à manger et le lendemain, les plumes. À l'époque, je ne voyageais qu'à travers la télé. Hein. J'ai jamais voyagé quand j'étais petit. Tous ces paysages, toutes ces aventures, tous ces pays lointains, ces exotiques, enfin voilà, c'était à travers la télé. Et en fait, tous les livres que je fais, qui sont très, sont en fait, c'est ça quoi.
je refais, j'essaie de recréer ce plaisir, ces émotions, cette excitation que j'avais quand j'étais petit.